tête. Et on va voir l'américaine qui va se préparer à rentrer en piste. L'américaine Alison Dibita. Tandis que les juges continuent à noter la néerlandaise. Voilà les notes d'Esther Sneekers. 6 pour le cheval, 7,880 pour la technique, 7,375 l'artistique et 7,128 la technique. Moyenne générale de 7,16, elle est évidemment en tête, mais oui, il n'y a que deux concurrents qui sont passés, donc il faut attendre encore un petit peu. Mais elle semble en tout cas satisfaite de sa prestation, alors que sur la piste entre les États-Unis, l'américaine Alison Dibita qui est bien connue hein, des circuits de voltige du monde entier. Elle était aux Jeux mondiaux de Lexington. Oui, elle était aussi aux championnats du monde là, cette année. Donc une voltigeuse très expressive. Donc toujours avec un grand sourire et très 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 dynamique. Donc et là avec la même longeuse que Yvan Nuss. Elke Schelp, voilà, qui est allemande. Et là, c'est un cheval allemand. Voilà, parce que le cheval s'appelle Pido del Rio. Il faut savoir que les Américains, lorsqu'ils viennent, utilisent des chevaux, voilà, qui sont en Europe, basés en Europe, oui, puisqu'il leur est difficile de faire venir des chevaux des États-Unis. Et je crois savoir que c'est un jeune cheval. Donc hier, c'était un peu délicat, son premier passage. Le cheval était un peu regardant sur le public, la piste. Donc, voyons voir aujourd'hui. Effectivement, belle prestation avec quand même une faute sur une figure, mais c'est quand même une grosse prise de risque qu'a fait, donc on joue avec l'erreur forcément. Quel était le nom de la figure technique dont vous parlez? C'est lorsqu'elle fait une roulade arrière piquée vers l'équilibre et après pour redescendre sur l'encolure. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on arrive de coucher, on doit partir vers l'équilibre. Donc ce qui n'est pas évident, donc elle joue le jeu, des prises de risque, ce qui est très bien je pense. Et donc là une petite faute, mais le cheval était mieux qu'hier déjà, donc ça devait être un peu plus simple pour elle. En tout cas, Lisel Divita qui est très 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 applaudie ici lors de sa sortie de piste. Très voilà, il faut rappeler que nous ne sommes qu'à la deuxième étape du circuit de la Coupe du Monde qui en compte 5. La première a eu lieu à Munich, c'était du 1er au 4 novembre, et elle a été remportée par l'italienne Anna Cavallaro. Oui. Yann, je vais vous stopper, je vais voir la cavalière américaine. Sophie est avec Hello, Alison, how are you happy of your performance? Yeah, it was lots of fun. My horse was really good and that was great because there's so many people and he was super, so I'm really excited. Ok, thank you. Alors Alison est très contente, son cheval était calme malgré le monde et elle est vraiment très, très, très contente de sa performance. En tout cas, très souriante, l'américaine.
Je le disais donc, oui, le doublé italien lors de la première étape de la Coupe du Monde à Munich, puisque du 1er au 4 novembre, Anna Cavallaro a remporté cette étape. Mais juste derrière elle, il y avait Silvia Stoppadini, les Italiens qui ont donc, enfin les Italiennes en l'occurrence, qui ont marché très très fort. Et monter un peu. Voilà. Alors, Alison. En tout cas, les notes d'Alison Dimita, dont nous n'avions pas vu tout à l'heure, le moyenne générale 7,89.